Bonjour et bienvenue à la séquence TAT, je libère mes ailes. Pourquoi je libère mes ailes? Eh bien, j'ai pu constater par de nombreuses expériences en EFT ou dans mes coachings énergétiques que non seulement on parle d'ancrage transgénérationnel, mais souvent on parle aussi de « on m'a brisé les ailes ». Je ne sais pas déployer mes ailes. Mes ailes sont toutes racrapotées. Et comme on dit chez nous, en Belgique, racrapoter veut dire toute repliée sur elle-même. Et suite à ça, eh bien on ne peut pas prendre son envol. Parfois les ailes sont juste parfaites, mais on a cette croyance qu'on ne peut pas voler. Ou pire, on a l'interdiction, notre propre interdiction. J'ai vraiment le chakra du cœur hyper ouvert dans le sens de faire cette vidéo parce que je sens que ça va vraiment nettoyer pour beaucoup de personnes avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance pour tous nos ancêtres, pour toutes les personnes qui sont impliquées. Cette vidéo sera valable et pour le côté maternel et pour le côté paternel. La seule chose que je vous demande, c'est chaque fois que vous ferez cette vidéo, c'est de vous connecter à un seul côté à la fois. Seulement une aile maternelle ou seulement l'aile paternelle. La première chose aussi que je vais vous demander, avant, c'est de vous munir d'un grand verre d'eau pour vous hydrater, mais aussi c'est d'abord de décider quelle aile allez-vous travailler maintenant. Maman, papa, papa, maman, de quel côté allez-vous la mettre? Maman, est-ce que je la mets à droite ou à gauche? Et papa, est-ce que je le mets à droite ou à gauche? Vous avez choisi? Avant de commencer, je vais vous montrer la pose TAT, parce que c'est essentiel pour pouvoir faire tous les exercices de manière fluide. Sentez-vous à l'aise dans ces exercices. Si vous avez besoin pendant la vidéo de garder cette pose plus longtemps, mettez pause à la vidéo et écoutez-vous. Voici la pose TAT. TAT veut dire tapas, acupressure, technique. Ça vient de Tapas Fleming, qui est une dame extraordinaire. Je vous conseille également ses vidéos et son site. Alors, le pouce va venir ici à la naissance du nez. L'annulaire, là où on met l'anneau, va venir de l'autre côté, comme si vous vous pinciez le nez tout en haut. Le majeur et l'index vont venir se placer au niveau du troisième œil. Et à l'arrière de la tête, là où on a une vertèbre qui rentre quand on se penche, on va venir poser la base. Et on gardera cette pose quelques instants simplement. On est prêt? Il va y avoir plusieurs étapes. Prenez le temps. Si vraiment vous avez envie de noter quelque chose, faites-le, mais je vous invite à le faire après la séance TAT pour ne pas interrompre le travail qui se fait. Je vous propose de commencer par une intention pour tout notre système énergétique, y compris le transgénérationnel. Prenons la pose, main gauche, main droite, aucune importance, et vous pouvez inverser en même temps. C'est parti. Je pose mon intention pour que cette guérison soit bénéfique pour moi, ma famille, mes parents et mes ancêtres, toutes les personnes qui sont impliquées dans ma vie. Toutes les parts de moi qui sont impliquées dans cette vie. Et pour tous ceux qui veulent contribuer et participer à cette guérison. Bien. Maintenant, nous allons entamer le travail.
Et pour que ce soit plus juste, je parlerai de cette aile brisée et polluée. Avec bienveillance dans le sens pollué, c'est vraiment qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et qui ne sont pas justes pour nous. On va prendre contact avec le problème et donc de nouveau, main gauche, main droite, ça n'a pas d'importance. On va poser les mains, voilà. Tout ceci est arrivé. Cette aile brisée, polluée. Tout ceci s'est fait. Ça s'est passé. Et on peut lâcher la pause. Et je vais vous proposer, comme on a déjà fait deux mini-pauses, hein, avec des pauses quand même, de boire un peu d'eau pour le moment. Et nous sommes partis, nous reprenons la pause. Tout ceci, en lien avec cette aile brisée et polluée, c'est fini. C'est du passé. Je peux me détendre maintenant. Lâchez la pause, prenez une grande respire, lâchez un peu les épaules pour ne pas que ce soit trop douloureux. Et de nouveau, hein, j'insiste, si vous avez besoin de tenir la pause plus longtemps, faites-le et arrêtez la vidéo. Ça ne sert à rien de rester non plus trop longtemps. Il vaut mieux le refaire plusieurs fois à votre aise. On reprend la pause. Tous les endroits de ma vie où tout ceci en lien avec cette aile brisée et polluée sont en train de guérir maintenant. Dieu, univers, merci de guérir tous les endroits de ma vie où ceci a été impliqué. Et on peut lâcher. Si vous avez besoin de boire, faites-le. Détendez un peu vos épaules. Laissez-vous sentir ce qui est là. Et je vous propose de passer à l'étape suivante. On reprend la pause. Toutes les origines de cette aile brisée et polluée sont en train de guérir maintenant. Dieu, merci de guérir toutes les origines maintenant.
vous baillez, c'est tout à fait normal, c'est même très bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau énergétique. Simplement laissez faire. Et là, je vais vous proposer de boire un peu d'eau. Et nous allons faire maintenant les parts, le par de dos, le par dos. Il y a trois sous-étapes ici. Prenez le temps à nouveau de vous laisser sentir ce qui se passe. Et je vous invite à prendre la pause. Je pardonne à toute personne qui m'a blessée, offensée, en lien avec cette aile brisée et polluée. Je nous souhaite amour, bonheur et paix, à moi y compris. Laissez-vous sentir vraiment si vous avez besoin. Reprenons la pause pour faire l'autre étape. Je demande pardon à toute personne que j'ai pu blesser ou offenser en lien avec mon aile brisée et polluée. Je nous souhaite amour, bonheur et paix. Lâchons la pause, laissez-vous sentir quelques instants. Si vous sentez que vous avez besoin, prenez une pause plus longue, en sachant que je vous propose de le refaire plusieurs fois et donc laissez vraiment le temps aux choses. Reprenons la pause pour la dernière étape du pardon. Je pardonne à quiconque. Je rends responsable cette aile brisée et polluée. Dieu, moi y compris. Je nous souhaite amour, bonheur et paix. Je vous propose de boire un peu d'eau, le temps de laisser sentir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et on va reprendre la pause. Toutes les parts de moi qui sont en lien avec cette aile brisée et polluée,
sont en train de guérir maintenant. Dieu, univers, merci de guérir toutes les parts de moi qui sont en lien avec cette aile brisée et polluée. On peut à nouveau lâcher la pause et laissez-vous visualiser cette aile que vous avez choisie. C'est ok si elle n'est pas encore déployée, si elle est encore un peu terne ou sale. Nous allons faire tout de suite tout ce qui reste. Reprenez la pause. Tout ce qui reste en lien avec cette aile brisée et polluée est en train de guérir maintenant. Dieu, merci de guérir tout ce qui reste en lien avec cette aile brisée et polluée. Et vous pouvez lâcher la pause, juste vous laisser sentir, reboire un petit coup d'eau. Et nous allons faire la dernière étape. Et je vous propose ici, plutôt que de dire « elle brisée ou polluée », de dire « elle déployée et pure ». Prenez la pause. Je choisis de raisonner, m'identifier, et me connecter à cette aile déployée et pure. Dieu, univers, merci de me connecter à cette aile déployée et pure. Et laissez-vous voir cette aile qui est en train de s'ouvrir, se déployer dans ce blanc immaculé. Reprenez tout de suite la pause. Je connecte et j'intègre tout ce changement énergétique. Une grande inspire. Inversez les mains. Je connecte et j'intègre ce changement énergétique. Et vous pouvez lâcher. Laissez-vous voir cette aile
C'est ok si elle n'est pas tout à fait pure, ouverte, déployée. Laissez d'abord le temps au système énergétique de s'intégrer. Dans les 2-3 jours, il va encore avoir des changements. Et puis vous savez que vous pouvez refaire cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez, mais je vous invite à ne pas la faire tous les jours. Laissez vraiment un espace de 2-3 jours, même si vous faites l'autre côté. Je vous remercie pour cette vidéo, tout ce que vous m'inspirez, merci pour tout. Je vous aime profondément. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker sur YouTube et merci de la partager. Avec tout mon amour, à tout bientôt.